Bonjour à tous, bah, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu effectivement, mais bon j'ai beaucoup voyagé, là maintenant je suis de l'autre côté de l'Atlantique. Et donc voilà, je me suis amusé là tout à l'heure à faire la vidange de ma nourrice, parce que je pense qu'il y avait de l'eau dedans. Bah, j'avais raison, il y avait de l'eau dedans, d'ailleurs la preuve en image là. Voilà, il n'y avait même pas que de l'eau, il y avait des crasses aussi qui étaient dedans. Et on voit vraiment bien la séparation essence et eau, ce qui est très pratique évidemment. Alors bon, j'ai rempli toute la jerrycan. Mais j'ai réutilisé ce qui était au-dessus pour que l'eau ne retombe pas dedans, évidemment. Pour bien faire, il faut faire ça dans toutes les nourrices et dans tous les tanks de votre bateau, parce que je suis certain qu'il y a beaucoup de condensation et d'eau, évidemment, et de crasse. Donc autant les enlever avant que ça ne passe dans le moteur, parce que là, ça fait des dégâts. Bon, ben voilà, c'était la petite note d'une vie de belles aventures aujourd'hui. Eh bien, passez une bonne semaine et à bientôt. Ciao, ciao.